À Madagascar, le gouvernement est resté ferme sur le projet de loi sur le code de la communication. Malgré plusieurs manifestations publiques organisées par le mouvement des journalistes, il a finalement été approuvé par les députés à l'Assemblée nationale ce jeudi 7 juillet. Mais l'article 20 de la future loi contestée sanctionne sévèrement les journalistes traitant de sujets liés à la vie privée des hommes politiques ou critiquant les actions de l'État. Les journalistes eux-mêmes, nous-mêmes, ne sont pas contre une loi qui réglemente le métier, quoi. Ce qui nous embête, en fait, c'est que cette loi soit vraiment trop répressive et aussi nous enlève les droits même que les journalistes des autres pays dans le monde ont dans la pratique du métier, c'est-à-dire dans l'accès aux sources, la protection. Il y a toujours un risque, quitte à payer une amende, mais entre payer une amende qui équivaut à 6 mois de salaire et une autre qui vaut à 3 ans, voire 20 ans de salaire, alors là, il y a tout un monde. Tout un monde, car un journaliste malgache perçoit en moyenne 500 000 ariary par mois, soit 142 euros, alors qu'il risque pour un tel délit de presse une amende d'environ 100 millions d'ariary, soit 28 500 euros. Dès lors, les journalistes estiment que les hommes politiques devraient soutenir leur cause. Il doit y avoir un mouvement auquel va nous rejoindre donc la société civile et aussi des partis politiques. Et ça va être politisé, là on ne sait pas encore, parce que là on va pas avoir le contrôle. Mais pour moi, c'est naturel que les politiciens récupèrent l'affaire, quoi. Parce que c'est vraiment le fondement de la démocratie, c'est la pensée unique, c'est un État, son gouvernement. On prépare des réactions. Moi-même, par exemple, je suis formateur. Et moi, ma réaction, c'est de concevoir donc une formation qui va s'intituler « Comment survivre au code de la communication ». Rappelons que cette année, Reporters sans frontières pour la liberté de la presse avait classé Madagascar à la 56e place sur 180 pays.